Salutations, voyageurs venus d'ailleurs. Nous nous retrouvons de nouveau dans la vallée de Strangleronce. Eh oui. Et nous allons éliminer des crocodiles, des cocodiles. Bien sûr, cette quotidienne est incroyable. Elle me demande un temps de jeu galactique. Pour moi, le mec qui joue pas beaucoup. D'ailleurs, je suis allé chercher mes sorts, hein. C'est pour ça que je fais un peu plus de dégâts que la dernière vidéo. J'ai fait un portail hors Grimard et j'ai fait ma pierre de foyer. C'est pour ça que. C'est pour ça que j'ai mis. Je mets des 300 en normal et des 600 en critique. C'est quoi ça? Le totem il fait quoi? Ok. Le temps entre les attaques. Bon, c'est pas bien grave vu que on lance des sorts, du coup ça change rien pour nous. Le 600 là. Le 600 du plaisir. D'ailleurs, j'ai une nouvelle agate. Enfin, une jade. Une jade de mana et une agate de mana. C'est incroyable. Ok, et il n'y en a pas d'autres? Oui, il y en a d'autres. Ok, après lui, il me manquera plus qu'un sorcier. Et beaucoup de brutes, hein, j'ai l'impression. Combien de brutes j'ai tué? Ouais, j'en ai tué 4. D'ailleurs, petit AFK, je reviens. Je reviens très vite. Vous ne verrez pas la coupure. Normalement. Heureux. Désolé pour ce petit contretemps. C'était un contretemps très malencontreux. D'ailleurs, on va mettre l'huile hein, sur le bâton. Tant qu'à faire. Alors j'espère que dans la vidéo j'oublierai pas d'enlever le moment où j'ai AFK. Sinon ça serait terrible. Vraiment terrible. Mais non, je pense pas que je vais oublier. J'ai le buff là sur mon... Ouais. Combien? 90 en puissance des givres. Alors mes éclairs sont censés faire 262 au maximum. Sans critique. Je dois pas tuer des sorciers. Y a que des sorciers, quoi. C'est assez ouf. Ouais, il y a littéralement que des sorciers. Tu es une brute, Harry. D'ailleurs, il faudrait que je fasse les jeux Harry Potter. Ça me fait penser qu'il y a un jeu Harry Potter qui va voir le jour.
Arrête. Arrête. Merci. Je savais même pas qu'il y en avait hors de ces ruines là. Attends, par contre, ils vont pas venir jusqu'ici, hein. Moi, j'ai fait mon évocation en mode ils vont pas venir, hein. Ok, il m'a juste posé la malédiction. Bon, les dégâts physiques, on s'en fout, hein. On va laisser la malédiction parce que elle est inoffensive à mes yeux. Alors, il me reste une brute. Oléwa. Meurs, chienne. Chienne de garde. Alors, que va-t-on faire désormais? On va faire les gueules d'acier. Et peut-être les ombres lunes. Ombre gueule, pas ombre lune. Ces coups critiques qui me font jouir à la limite, quoi. Je suis au bord de la jouissance en voyant des gros chiffres. Par contre, faut drop un. Les pots d'acier là, je veux voir à quoi ça ressemble au moins. Oh. Et voilà, on est à 5. Maintenant, c'est 100% de chance d'avoir le proc du machin. Foudroyure. Je sais pas ce qui coûte le moins cher. Ok, c'est le truc. En vrai, je vais tester une éclair comme ça là, pour voir combien elle fait de dégâts. Ok, 91. C'était vraiment pour tester en mode la curiosité. De mise en plus les vidéos avancent, plus j'ai l'impression de tricher quoi. En vrai, 90% du gameplay se passe hors vidéo. Hein. Mais en même temps, je vais pas faire des vidéos de 4 heures. Ce serait vraiment terrible. D'ailleurs, dans la vidéo précédente, on a fait des quêtes avec un autre joueur. J'aurais d'ailleurs pu faire un peu ma pub et lui montrer que je fais des vidéos sur YouTube, quoi.
Mais que voulez-vous? Je suis pas quelqu'un de chiant, du coup je fais pas la pub pour mes trucs. J'ai tort en vrai. Hein. Ça me servirait plus. Bah, ça serait vraiment utile quoi. Ça me fait penser à un joueur, mais en fait c'est pour ça que je fais pas ma pub, parce qu'il y avait un joueur qui faisait sa pub H24 pour son Twitch dans le chat. Bon, maintenant il fait plus sa pub, du coup j'imagine qu'il a arrêté de jouer au jeu. Mais c'était insupportable. Du coup c'est pour ça que personnellement je veux pas faire ma pub, même une fois. Parce que j'ai pas envie que de faire chier les gens. C'est quoi ce spot où il repop instant? Fait combien? 132 de mana. S'il repop encore, c'est incroyable. Non, ça va, ça s'est calmé. La prochaine vidéo, c'est le Ding 40, hein. Ça va être incroyable. Avez-vous hâte de voir le Ding 40? On va refaire... Putain, elle coûte 800. Elle coûte 800 et elle rend 600, quoi. C'est vraiment la non-value de les créer en plein combat. Attends, on en a que deux depuis tout à l'heure alors que je fais que ça, j'ai l'impression de tuer des crocos. D'ailleurs, que pensez-vous des gens qui font leur pub dans les chats des jeux auxquels ils jouent? Personnellement, moi, ça m'insupporte. C'est pour ça d'ailleurs que je le fais pas. Genre, les gens dans le chat, ils veulent des trucs par rapport au jeu, hein. Après, c'est peut-être moi qui est débile sur ça, mais bon. C'est mon avis. Ok, bah y en a plus. Il y en a plus. Oh bah on va aller tuer des panthères. Des ombres crocs. Comment ils s'appellent? C'est pas ombres crocs déjà, je sais. C'est ombre gueule. Panthère ombre gueule. Ouais. Pas terrible hein, comme nom. Ah, ils sont plus élites. Avant, les ogres ici, ils étaient élites aussi.
Et c'était assez galère hein, les quêtes. En solo, c'était que. Enfin, c'est pas impossible en solo, mais. C'était très complexe. Ah ouais, c'est pour ça qu'ils sont chiants en fait, sans fufu. D'ailleurs, je vais me désaltérer moi aussi. Ça devrait aller. Quoi? Ok. Mais c'est assez chiant à regen à ce niveau. En même temps, au prochain niveau, j'en ai une nouvelle d'eau. C'est pour ça que celle-ci est assez chiante pour Regen, quoi, c'est parce que j'ai plus le. Parce que j'ai le niveau pour une autre. Enfin, un niveau près, quoi. Je sais pas combien elle rend l'autre. Je crois que c'est 1800 la suivante. Ce qui est pas beaucoup, hein. Je savais même pas qu'il y avait un PNJ là. Faut mourir, monsieur. Kamehame! Pas suffisant. Il servait à rien de gueuler du coup. Désolé. Y a pas le gros là ici en fufu? Je sais qu'il y a un boss panthère ici. Le cône qui part toujours dans le néant. Encore une fois, quoi. Les tigres me foutent le seum. Hein. Pourquoi tu résistes? Ok, là-bas l'élite. Par contre, on va crever quoi. Je m'en doutais. Quoi?
Au bout d'un moment, faut me lâcher le cul. Hein. Bah arrête de me suivre. Cet ennemi qui me suit jusqu'à l'infini, quoi. Putain, mais en fait, je suis en train d'attendre alors que j'ai fini ma boisson. Alors, j'en ai un à loot un peu plus loin. Faut pas que je l'oublie. À tous les coups, c'est sur lui qu'il y aura une arme légendaire. Il n'y a pas d'arme légendaire qui se drop sur des tigres. Hein. Je préfère vous le dire. Au cas où, tu vois. Ok, il y en a un là. Et après, il m'en manque plus qu'un, et ensuite, c'est la quête du boss. Ah, quel con, je me suis retourné avant. Avant de le tuer, quoi. Ah, mais il en reste encore un. Je me suis matrixé tout seul, quoi. Faut que j'arrête à dire des quoi tout le temps. Il faudrait faire un compte pour savoir combien j'en fais par. Je dis de quoi par vidéo. Je pense que c'est galactique. Minimum 40 ou 50 fois. Hein. On va retourner tuer des crocodiles. Des crocodiles. Comme dirait Link. Des crocodiles. Alors, je sais pas s'il l'a déjà dit, mais je sais que Terracil le troll sur ça. C'est quoi qui... Ouais, la Nova... Mais la Nova va pas achever de toute façon. C'est vraiment l'éclair de givre qui... Combien? 2 secondes combien? 2 secondes 8? Ah bah ouais, mais je suis sur CD, c'est pour ça qu'elle est courte comme ça. Des fois, je suis débile. Incroyable, on a eu de la réussite sur la fin. Bon, on a 2 quêtes ici, 3 ici. On va aller rendre tout ça. On va aller rendre tout ça ou alors on va faire une autre quête. Parce qu'il me semble... Il me semble que la ronce... fabriquer la baguette, vous devez rapporter tout. Rapportez-moi exactement ce qui est. Ouais, et la lettre, je l'ai jetée parce que ça prenait de la place dans mon inventaire. Parfait. Parfait. Jusqu'ici, tout va bien. Mais il me semble que c'est sur les trolls qu'il y a par là, là, que ça drop le truc. Non, attaque-moi pas, laisse-moi tranquille, Jean-Claude. Pas le lanceur.
Peut-être sur le mystique. Ah, insensible, c'est quoi? Gardien des sorts de givre. Ouais, ça fout le seum. J'imagine que c'est par rapport au sort que j'utilise contre lui. Hein. Alors, si j'avais utilisé des trucs de nature, il aurait fait une résistance à la nature. Mais il me semble que c'est sur eux qu'on a la roncier. Le 600, là. Alors par contre j'espère que je raconte pas des carabistouilles et que je vais avoir vraiment le roncier quoi. Il faudrait... Ah oui, j'avais oublié que t'étais en mouton toi. J'oublie vite. Hein. Ah, gardien de givre. Laissez-moi tranquille. Mais ça me paraît bizarre que Questy me montre pas s'il en drop ou pas. Maintenant, le roncier de foudre, il est là. Ouais. Du coup, je suis en train de tuer des trucs pour rien. Ah, c'est bon. Bon, voilà. Ça arrive. Hein. Ça arrive de croire des choses fausses. Hein. J'allais faire une mauvaise blague, mais je me suis retenu. Et je me retiens. Parce que je risque d'avoir des ennuis. Plume de tracker, je sais même pas ce que c'est. Ah mais les trackers, c'est les raptors. Ok. Warcraft, toujours dans le vrai, quoi. Le jeu est au courant que les raptors ont des plumes. On va aller tuer des trolls. Ah, druide d'équilibre. Bon, il est tête de mort. Hein. J'ai vu son niveau, point d'interrogation. Du coup, il a minimum 10 niveaux de plus que moi. Du coup, on va essayer d'éviter la confrontation. En grande partie parce que je risque de ne pas la gagner. Putain, mais elle est pas partie l'éclair de givre, qu'est-ce que je suis con. Ah ouais, critique. Du coup j'ai claqué mon truc dans le vent, c'est que du plaisir. Hein. Pour le moment c'est beaucoup de ratés et beaucoup de non-plaisir. Je regarde au cas où le druide vient vers moi, quoi. Même si je le vois venir, de toute façon, il a sûrement la monture 100%, du coup, je pourrais pas l'éviter. Alors, attention aux guerriers qui font des coups de bouclier. Je le dis à voix haute pour pas oublier.
Bon, en termes de mana, on est dans la merde. Du coup, on va s'enfuir comme un homme courageux. Combien il m'en manque? 4. Ça va en vrai, 4. Ça peut aller très vite comme pas du tout. Surtout vu le nombre que j'ai tué de trolls pour en avoir 21, quoi. C'est pas encourageant. Alors si possible, n'aggro pas tes potes. Va se cacher derrière le pilier. Ah ouais, mais il peut attaquer à travers le pilier. Moi aussi, hein, mais... Ce qui m'aurait arrangé, c'est qu'il vienne au corps à corps, quoi. Alors normalement, là on va claquer la veine et on va tenter de mettre un terme à cette quête sous CD. Alors si possible, je vais attendre les 6 secondes qui restent. Enfin, les 3, 2, 1. Comme ça vous voyez si le son est bien... est bien mis quoi. Ah, j'avais peur qu'il en cible un autre, du coup j'ai paniqué. Les coups critiques aident bien là. Mais attends, j'ai plus de mana. Ah, j'ai paniqué, du coup j'ai potion de soin. Incroyable. Ok, on en a un. Deux, trois. Non. Bonsoir, non? Incroyable. Plus qu'un. Plus qu'un et c'est finito. En vrai, ça va, on progresse de façon satisfaisante, je trouve. Dans la prochaine vidéo, on changera un peu de décor, hein. D'ailleurs, où ira-t-on? On peut retourner aux hautes terres d'Arati. Ou alors... Alors ouais, on peut aller à Désolas. En plus, je suis déjà allé vite fait chercher le fly. L'insigne de ténacité doit valoir cher, hein.
Je suis curieux. Un plaisir de vous rencontrer. Allez dans le nord. Que puis-je pour vous ? Prenez soin de vous. On verra s'il me répond ou s'il m'envoie chier. Adieu alors. Comment allez-vous ? Ok. Faites un bon voyage. On n'a rien eu. On n'a rien eu du tout. Du coup, oui, ça vaut très cher, hein, 1600. Juste pour info, 1600, c'est l'intégralité de mes PO. Et encore, je les ai pas tout à fait sur mon voleur. Il faut que je vais sur d'autres persos pour les avoir. C'est terrible. Putain, c'est vrai que j'avais ça à faire, j'aurais pu y aller et j'aurais certainement fait la quête des colis en même temps, quoi. Laissez-moi tranquille. Pourquoi je suis en plateau là? Pourquoi je suis en... Ouais, voilà. Ce serait bien dans la prochaine vidéo, au lieu de faire un niveau comme là, des quêtes, ce serait bien de faire un donjon. Un petit hors-série donjon. Mais bon, même à 20h, quoi, il n'y a pas de donjon bas level. Se trouve où les... Ok. Oh, 42. Oh. Ok, le croc de Bactéra. On pourrait aller la faire vite fait, Bactéra. Ouais, allez, go. On va aller casser le cul de Bactéra. D'ailleurs, elle donne quoi? Ok, de la merde. Au moins, on sait déjà où aller à peu près. Ce qui va faciliter les recherches. Sauf si un autre joueur l'a tué. Mais bon, ce serait vraiment pas de chance. Vu qu'il y a 3 joueurs sur le jeu, quoi. Voilà, en vrai je suis médisant, ils sont 4. Ah, ils sont même un peu plus que 4. 2, 4, 6, 8, 9. 9 à la vallée de Stranglerance avec 3,70. Je sais même pas ce qu'ils foutent là, quoi. Par contre les tigres, j'ai l'impression à chaque fois c'est 100% de chance de me foutre dans la merde. C'est étonnant les GT1 où... où le bijou est pas réservé. Ce bijou là. Attendez. Deuxième boss? Ouais, deuxième boss. Le sablier. Celui-là est très souvent réservé. Hein. En même temps, il est très fort hein, comme bijou.
D'ailleurs, je l'ai sur mon voleur. Et il est dans mon sac, parce que j'ai mieux. Et je crois que je l'ai utilisé pendant un donjon, le truc, et après j'ai acheté le bijou avec les insignes. Non, pas les insignes, comment ça s'appelle? Les trucs bleus que vous avez sur chaque boss. En héroïque. Voilà. Si vous connaissez le jeu, ben vous avez compris. Si vous connaissez pas le jeu, ben ce que j'ai dit, c'est du chinois. Et j'en suis navré. J'en suis fortement navré. Et en même temps, pas tant que ça. J'ai beaucoup de quêtes à rendre. Ils se rendent tous à Cabestan. Dans la prochaine vidéo, on va dire au revoir à cette zone. Pas adieu, au revoir. Parce que globalement, on va revenir. Mais dans quelques niveaux. Genre, prochaine vidéo, on ira à Desolas, comme j'ai dit. Ensuite, on fera un petit tour. Il y a le marécage aussi. On va aller à Desolas et ensuite on ira au marécage. On fait des petits roulements comme ça. Question que les vidéos soient diversifiées. D'ailleurs, il me semble qu'il y a une quête sur les gorilles. Mais bon. On va le tuer, hein. Même s'il est gris. Ça me bat les couilles, comme disent les connards. Est-ce qu'il m'a vu, vous pensez? On va le voir, hein. Non, il m'a pas vu. Est-ce que je le tue vraiment? Il est gris. On va pas le tuer parce que il est gris et ça vaut pas le coup. Je sais que 90% des joueurs l'auraient tué à ma place. Même dans la vidéo précédente, hein, l'autre, notre ami, le chaman avec qui on a fait des quêtes, il était plus agressif que moi alors qu'il avait un stuff totalement éclaté. Genre, c'était Jean-Michel Clodo, mais il voulait quand même faire du PVP. Après, il est gentil de ouf. On a passé un bon moment avec lui en faisant des quêtes. D'ailleurs, je l'en remercie. D'ailleurs, vous aussi, je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle était incroyable, cette vidéo, non? Avez-vous trouvé cette vidéo cool? Dites oui. Dites oui. Dites-moi que cette vidéo était bien. Au revoir.